Merci, merci. Alors, je m'installe. Bien, je suis obligé de m'asseoir parce que j'ai une entorse, excusez-moi. Voilà, je suis professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Pau et j'ai co-dirigé ces dernières années un programme de recherche sur l'égalité femmes-hommes qui s'intitulait « Misogynie », tout simplement. Et c'est dans cette optique-là donc, que je vous propose aujourd'hui d'aborder donc, cette question, alors pas sur toutes ses facettes, ce ne serait pas possible, mais sur la principale facette, c'est-à-dire l'ordination des femmes, et donc intitulée « Je crois en Dieu, l'Église et l'égalité des sexes ». Alors, j'ai voulu commencer par un petit clin d'œil, tout de même. L'Église déteste la confusion des sexes. Or, il y a des images, il y a des choses qui, parfois, parlent de l'ambivalence de certaines représentations. Et donc, j'ai voulu commencer par ces images-là, qui représente Sainte Vilgeforte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sainte Vilgeforte, c'est une fausse sainte, mais peu importe, elle a été quand même vénérée pendant pas mal de siècles, surtout dans les pays germaniques, et puis dans le nord de la France également. Il s'agit d'une sainte qui est crucifiée, comme vous le voyez, et qui est barbue. Alors, c'est assez original tout de même. Alors, la légende veut que cette princesse portugaise ait été, son père a voulu la marier à un païen, le roi de Sicile, et comme elle ne voulait pas épouser un païen parce qu'elle était chrétienne de cœur, elle a prié la Vierge Marie de l'enlaidir. Et la Vierge Marie lui a fait pousser une barbe. Alors évidemment, le roi de Sicile n'en a pas voulu, et le père, absolument furieux, a fait crucifier sa fille. Voilà, c'est une belle histoire, mais totalement légendaire. Alors, ces deux photographies, je les ai prises à Prague l'année dernière à Notre-Dame de Lorette. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu petit quand même. Et puis, en voici quelques autres représentations. À Beauvais, je n'arrive pas à lire trop bien, à la Maine du Sud, etc. Quelques représentations très connues de Sainte Vilgeforte. La sainte a été déboussolée, si je veux dire, enfin déboulonnée, pardon, au siècle dernier, parce que c'est quand même une sainte tout à fait légendaire. Alors, à l'origine de cette confusion, à l'origine de cette sainte Vilgeforte, il y a un crucifix qui est conservé dans la cathédrale de Luc et qui s'appelle la Sainte Face, Volto Santa, et qui représente le Christ avec une robe. Or, c'est un crucifix byzantin et il était habituel dans l'Église orthodoxe de représenter le Christ avec une robe. D'où la confusion, Christ, femme, robe, barbe, et donc ça crée Sainte Vilgeforte, qui pendant plusieurs siècles donc, a été vénérée dans certaines régions d'Europe. Bref, voilà, c'était juste pour introduire la chose. L'Église, je reviens là-dessus, craint la confusion des sexes, et notamment parce que la séparation des sexes garantit le maintien au pouvoir d'une classe d'hommes, je vais même dire une caste d'hommes, qui est la classe sacerdotale. Les sexes, les deux sexes, sont égaux en dignité, nous dit l'Église. Mais ils sont surtout différents et complémentaires. L'homme et la femme se sont vus attribuer par Dieu des missions séparées, spécifiques et surtout non interchangeables. Celle de la femme, vous la connaissez, c'est celle qui est dévolue à la mère et à l'épouse. La mère peut être une mère biologique, c'est naturellement la Vierge, ou elle peut être c'est Ève, excusez-moi, évidemment, c'est Ève, et ça peut être une mère spirituelle, c'est naturellement Marie. Mais en attendant, la femme, donc, est destinée à son rôle de mère et d'épouse. Alors, ça introduit un déterminisme biologique qui, naturellement, débouche sur un déterminisme social et sur la subordination de la femme à l'homme. Quant au titre que j'ai donné à cette communication, « Je crois en Dieu », c'est le titre d'un article d'une professeure à
l'université donc, de Sherbrooke, un professeur de théologie, et qui a écrit un article, « Je crois en Dieu, la théologie féministe et la question du pouvoir », c'est-à-dire que Madame Louise Mélenchon donc, remet en cause, dénonce, si vous voulez, l'association du divin et du masculin. À l'intérieur de l'Église, depuis les années 1960, il y a des théologiennes qui, effectivement, luttent pour une plus grande égalité des femmes et des hommes dans l'Église et s'en prennent notamment à toutes les références qui dénotent cette inégalité et, en particulier, à la conception de Dieu comme un être masculin. Donc, elles ont parfois, souvent essayé de donner plus d'équilibre à la figure de Dieu en utilisant des concepts un peu nouveaux qui donnent de Dieu une image moins masculine. Alors, je vous en cite trois. Il s'agit de théologiennes, en général nord-américaines, qui sont plus en avance sur beaucoup de choses qu'en Europe. Mais enfin, en Europe, il y a aussi des théologiennes allemandes qui sont dans le même sens. Alors, par exemple, Ruther parle de Dieu et des déesses, goddess. Vous voyez. Une autre parle de Dieu Sophia, Dieu sagesse. Vous voyez. Une autre comme Dieu comme mère, amie et amante. Enfin, il y a toutes sortes de propositions qui ont été faites pour donner de Dieu une image un peu moins masculine. Je vous dirais que tout ceci est tout très confidentiel. Je veux dire par là que ça n'a pas dépassé les portes de l'Église, et encore, même dans l'Église, on en parle assez peu. Donc, ce que dénoncent ces théologiennes, c'est que le fait que la Trinité, notamment, a une image, une connotation fortement masculine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dont personne ne doute, évidemment, du sexe. La Vierge est la seule femme de ce panthéon chrétien, et elle n'est qu'une intercessrice. Hein, intercessrice. J'ai du mal à prononcer le nom, puisque vous savez qu'intercesseur se met difficilement au féminin, mais ça existe. Voilà. Alors, le problème donc, par lequel nous allons commencer. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un détail parce que je n'ai pas toutes les. Le problème, comme disait Marie Daly, qui est aussi une théologienne féministe américaine, si Dieu est mal, alors le mal est Dieu. Et dans notre société, ça a un sens en particulier. Voilà. Donc, je vais tout d'abord jeter un coup d'œil sur la place secondaire des femmes dans l'Église catholique. Les femmes sont massivement présentes dans l'Église catholique, mais elles sont écartées du pouvoir, qui ne peut être exercé que par ceux qui ont accès aux fonctions cultuelles, c'est-à-dire les hommes. Dans l'Église catholique de France, il y a 23 600 religieuses, les chiffres sont très récents, contre 5 900 religieux, 11 300 prêtres et 3 400 prêtres religieux. Au total, 20 000 hommes environ, 23 000 femmes. Donc les femmes sont vraiment majoritaires dans l'Église, c'est clair. Mais elles sont minoritaires, enfin, je peux faire une petite parenthèse, si vous allez à Lourdes, vous verrez qu'il y a un certain déséquilibre dans la représentation des hommes et des femmes. Face à la statue de la Vierge, vous avez la basilique, et puis deux grandes rampes d'accès, qui sont garnis de statues monumentales, sculptées entre 1910 et 1914. Il y a la 12, et il n'y a qu'une femme dedans. C'est la Vierge, c'est Sainte-Anne accompagnée de la Vierge enfant, c'est tout. Et si vous descendez dans la basilique souterraine, vous avez des grands panneaux qui représentent les saints et les saintes. J'y suis allé, je les ai comptés, il y en a 107, hein, et il y a 80% d'hommes. Donc une présence massive des hommes, même dans le sanctuaire le plus célèbre, qui n'est pas le premier, c'est celui de Guadalupe au Mexique, mais enfin le deuxième sanctuaire marial au monde. Et les hommes sont massivement présents dans l'iconographie, naturellement. Alors que si vous comptez, je l'ai fait, les fidèles, en gros vous avez les deux tiers de femmes, et y compris aussi dans l'encadrement religieux. Bon, il faut aller voir ça tout. Il faut aller voir ça pour se mettre un petit peu dans l'idée ce que c'est que l'inégalité entre les femmes et les hommes dans l'Église. Bon,
Alors, le problème, un des problèmes, pardon, de l'Église, un, parce qu'il y en a quand même pas mal, on ne va pas tous les évoquer aujourd'hui, c'est la chute des vocations. Alors, elle est spectaculaire, je pense que j'ai écrit en gros les chiffres parce qu'en petit, on ne les voit pas très bien. On est tombé donc de 25 000 environ prêtres diocésains en 1990 à 11 908 en 2015. Et cette chute se poursuit. Alors, cette chute des vocations est un des gros problèmes, évidemment, surtout lorsqu'on observe un peu l'histoire. La France, au début du XXe siècle, envoyait des prêtres en Afrique. Bon, aujourd'hui, elle fait venir des prêtres d'Afrique. C'est complètement à l'opposé de la chose. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas assez de prêtres africains encore pour subvenir à tous les besoins. Et alors, l'Église fait appel à des laïcs, principalement des femmes, bien sûr, pour remplir quelques fonctions, notamment la préparation au baptême et au mariage et la célébration des funérailles. Il y a de plus en plus de femmes qui font ceci. Les femmes également donnent la communion, mais elles n'ont pas le droit, bien sûr, de consacrer l'hostie. Mais elles donnent la communion. Comme le ferait un prêtre, sauf que ce n'est pas elle qui dirige la chose, puisqu'il faut que l'hostie soit d'abord consacrée. Bref, il y a une classe sacerdotale, on peut même dire une caste, composée d'hommes, qui détiennent dans l'Église les pouvoirs de gouvernement et de sanctification. C'est-à-dire, pouvoir de gouvernement qu'ils tiennent des cordons de la bourse, c'est pas rien, l'Église est quand même une entreprise assez extraordinaire de ce point de vue. Et deuxièmement, ils tiennent les clés du salut, ce qui est particulièrement important pour des croyants. Bon, les autres, c'est pas la même, mais pour les croyants, hein, ce sont les hommes qui tiennent les clés du salut. C'est un peu embêtant. Alors, à partir des années 60, la culture de la soumission et du sacrifice, qui depuis des siècles et des siècles donc, est inculquée aux femmes, a été remise en cause et sous la pression de l'évolution de la société et notamment des mouvements féministes qui n'ont pas épargné l'Église. Hein ? Alors, il y a eu Vatican II. Le Concile Vatican II, entre 1962 et 1965, a fait souffler un vent d'espoir. Hein ? Et il s'est assez vite refermé parce que le pontificat de Jean-Paul II, très long pontificat, de 1978 à 2005. Le pontificat de Jean-Paul II a élaboré une théologie de la femme. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de théologie de l'homme dans l'Église, parce que l'homme est pris comme modèle, si vous voulez. Alors, à côté, il peut y avoir une théologie de la femme, il n'y a pas de théologie de l'homme. Bref, Jean-Paul II, hein, pour simplifier, a réalisé une théologie de la femme par un très grand nombre de textes, qu'il a appelé lui-même un nouveau féminisme, ce qui est assez fort de tabac, parce que, naturellement, les mouvements féministes ont protesté, hein, d'une certaine manière, et ce nouveau féminisme, donc, pouvait sembler un petit peu équilibrer les choses entre les hommes et les femmes. Mais les théologiennes féministes, et il y en a dans l'Église, encore, les théologiennes féministes ont protesté, et en 1982, par exemple, il y a un livre qui est sorti en France de trois théologiennes et philosophes catholiques, un livre très argumenté, sur la position de l'Église, et qui s'intitulait « Et si on ordonnait des femmes ?» C'est paru au Centurion, qui est une maison d'édition qui édite des livres religieux. Ce livre, pratiquement, on ne pouvait pas le trouver dans les librairies catholiques, il a été mis de côté, il a été assez vite mis au pilon. Vous voyez ? Bon, en réalité, ce débat sur l'ordination des femmes a été promptement interdit par Jean-Paul II et son successeur, Benoît XVI. Alors, il a été interdit par une lettre apostolique
Ordinatio sacerdotalis, lettre apostolique sur l'ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes. Elle date de 1994, dans laquelle il réitérait le canon, le célèbre canon, en 1024 du droit canonique, seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. Et la lettre se termine par ces mots, hein, « Je déclare, en vertu de ma mission, de confirmer mes frères, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. » Si ce n'est pas clair, pas vrai. Bon, ça, ça date de 1994. Alors, revenons à l'Église. Là. L'Église repose sur une doctrine irréfutable qui repose sur la révélation. Moi, j'ai du mal à voir l'horloge au fond et je ne voudrais pas abuser de votre temps ni vous empêcher de poser des questions. Voilà. Parfait. Alors, l'Église, donc, l'Église repose sur une doctrine irréfutable qui est issue de la révélation. Cette révélation, elle se diffuse au moyen de trois canaux. Le premier, ce sont les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Second canal, la tradition, ce qu'on appelle la tradition avec un T majuscule, c'est-à-dire les pères de l'Église, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu de l'Esprit-Saint le pouvoir de parler au nom de Dieu dans les premiers siècles. Et ces pères de l'Église, vous les connaissez, c'est saint Augustin, saint Jérôme, saint Grégoire et saint Ambroise. Ce sont les pères de l'Église qui ont été inspirés par l'Esprit-Saint, comme les apôtres ont été inspirés par l'Esprit-Saint. Donc ce sont les successeurs, si vous voulez, des apôtres. Donc la tradition, les pères de l'Église. À ne pas confondre avec les docteurs de l'Église, hein, qui ne sont pas, eux, inspirés directement par l'Esprit-Saint. Bon. Et enfin, troisième canal, le magistère vivant, qui comprend le collège épiscopal et le pape. Le pape qui fait autorité en matière de morale, de foi et de dogme. Le pape est infaillible. La parole humaine. C'est pour ça que le verrouillage qu'a introduit Jean-Paul II va être difficile à faire sauter, à moins de remettre en cause l'infaillibilité papale. Et ça, c'est à ce moment-là toute la révélation qui s'effondre, enfin du moins qui est mise à mal. Vous voyez un peu le problème. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui vous parler de l'ordination des femmes et pas des autres problèmes sur l'égalité femmes-hommes dans l'Église, parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr, on pourrait aborder les choses de différentes façons, mais ça, c'est tout de même, ça, c'est le point clé, si vous voulez. Et tout le monde le sait bien, les théologiennes le savent bien, évidemment. Comme l'a expliqué une théologienne, encore une fois québécoise, l'Église catholique est une institution dont le chef peut prétendre énoncer des enseignements infaillibles, interdire le débat sur des questions controversées et sanctionner celles et ceux qui dérogent à ses directives. Et ce chef ne peut être qu'un homme. Voilà. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, 25 ans après la lettre apostolique de 1994 qui verrouille donc la question? Les questions actuelles tournent autour de trois points. Le célibat des prêtres, l'ordination de prêtres mariés, et le diaconat féminin. Les trois choses. Le célibat des prêtres et l'ordination de prêtres mariés est en fait une question de discipline interne à l'Église.
Jusqu'au XIe siècle, il y avait des prêtres mariés. Vous voyez ? Donc ça a été, l'Église a évolué à cette époque, elle s'est sacralisée, tout, elle a voulu que réellement ses ministres soient séparés de la population, donc elle a insisté sur le célibat. Bref, le célibat des prêtres est né de ceci. Mais c'est une évolution qui a mené à ça, et c'est une question de discipline dans l'Église. Vous voyez ? Alors que le diaconat féminin, c'est une question de dogme. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus sérieux, si vous voulez. Alors, le diaconat, alors j'ai rappelé quand même les sept sacrements, je sais que vous n'êtes pas des étudiants et que vous les connaissez. Les étudiants, ils ne connaissent pas vraiment. Mais enfin, bon, peu importe. Il y a le baptême, l'eucharistie, la confirmation, la pénitence, le mariage, l'extrême-onction et l'ordination. L'ordination, c'est le septième sacrement et il est réservé aux hommes. L'ordination comprend, enfin, donne accès à trois degrés. Le diaconat permet de conférer les sacrements, sauf, naturellement, l'Eucharistie et la pénitence. La prêtrise permet, naturellement, tous les sacrements, sauf l'ordination, c'est-à-dire que le prêtre peut donner l'Eucharistie et la pénitence. Quant à l'ordination, c'est le dernier degré, et il n'y a que l'épiscopat qui peut la conférer. Voilà. Alors, le diaconat féminin, aujourd'hui, est sur la sellette. Enfin, c'est ce dont on parle le plus. C'est même d'actualité, vous avez compris. Bien avant que je propose de faire cette conférence, l'actualité m'a rattrapé, ça tombe bien. Le pape François, qu'on crédite d'une certaine ouverture d'esprit sur ce terrain, a lancé en 2016 une commission d'enquête, de réflexion, pardon, pas d'enquête, mais de réflexion, sur le diaconat féminin. Mais pas le diaconat féminin aujourd'hui, mais dans l'Antiquité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il a, il a quand même beaucoup d'opposants hein, qui l'attendent au tournant dans l'Église. Qui attendent sa mort, plutôt, exactement. beaucoup d'opposition et lancer une commission sur le diaconat féminin aujourd'hui. Alors là, bon, vous allez voir déjà, c'est sportif. Mais donc, diaconat féminin dans l'Antiquité. Enfin, pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité, il aurait existé des diaconesses. Bon, on en a un peu la certitude. Alors, naturellement, les partisans du diaconat féminin, ou les partisanes surtout du diaconat féminin, s'appuient là-dessus. Mais les adversaires, et il y en a beaucoup, disent « Oui, mais attendez, il y avait des diaconesses dans l'Antiquité, mais elles s'occupaient des femmes. Puisqu'on faisait le baptême des adultes, seule une femme pouvait pénétrer dans l'eau jusqu'au cou pour en baptiser une autre. C'était entre adultes. La séparation des sexes à l'époque était très forte. On ne voit pas un homme donc faire la même chose avec une femme. Donc les diaconesses, elles étaient nécessaires pour le baptême des femmes. Bon, c'est évidemment des discussions, des arguments pour ou contre dans lesquels je n'interviendrai pas et que je laisse aux croyants. C'est-à-dire à tous ceux qui pensent qu'on peut régler un problème d'égalité femmes-hommes en 2011 avec des arguments qui remonte à l'Antiquité. Ça, pas mon cas. Hein. Donc, je ne vais pas m'appuyer sur l'Église, sur la révélation, la tradition, etc., pour argumenter pour et contre, mais à l'intérieur de l'Église, c'est cette argumentation qui compte, justement, parce que vous avez vu que la révélation avait trois canaux, et c'est là-dessus qu'on s'interroge sur ce que disent les pères de l'Église, sur ce que dit la Bible, etc. Bon, c'est pas mon problème du moins. C'est peut-être le vôtre, mais pas le mien. Alors, donc, François a lancé une commission sur le diaconat féminin dans l'Antiquité. Très bien. Ça fait 2 ans, elle n'a rien donné du tout, la commission, parce qu'elle est extrêmement divisée, vous l'avez compris. Il y a beaucoup d'opposants au diaconat féminin. Récemment, la chose a rebondi avec un synode. Les trois questions, célibat des prêtres, ordination des hommes mariés et diaconat féminin,
ressurgit, alors de manière plus sérieuse cette fois-ci, sous l'effet d'un synode sur l'Amazonie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça s'est déroulé en octobre 2019. Et de ce synode, il est ressorti que les évêques préconisaient l'ordination de prêtres mariés dans ces territoires, l'Amazonie, pour pallier le manque de prêtres. Et en même temps, ils ont repoussé le diaconat féminin. Hein, ils ont pas allé jusque-là. Ils ont repoussé le diaconat féminin, mais ils ont réclamé l'ordination de prêtres, d'hommes mariés. Pour les femmes, ils préconisent de créer des ministères spéciaux. Le ministère, c'est une fonction spécifique reconnue dans l'Église. Le pape pourrait très bien créer des ministères féminins, et il le réclame parce que beaucoup de communautés indigènes sans prêtres ont à leur tête des femmes. Et donc, ils font un gros travail. Et ils ont... Mais le diaconat, non. Alors, là-dessus, le pape n'a pas encore tranché. Ça ne va pas tarder. Hein. Dans quelques jours, on connaîtra la réponse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il peut accepter l'ordination d'hommes mariés sans modifier le droit canon. En effet, il peut donner des dispenses. À des hommes mariés. Il l'a fait. Il l'a fait pour des pasteurs anglicans qui s'étaient convertis au catholicisme et qui étaient mariés. Bon, c'est une idée bizarre, mais il y en a eu. Donc, il a dispensé. Donc, il peut très bien faire la même chose. Le problème, vous l'avez compris, c'est que s'il fait ceci, il fait une brèche dans le célibat des prêtres. Et une petite brèche, mais une brèche quand même. Et là, tout de suite, il y a eu une réaction des milieux traditionnalistes extrêmement forte qui ont dit que c'était un casus belli s'il nommait des hommes mariés prêtres. Un cardinal américain a annoncé une croisade de 40 jours de prières et de jeûnes contre le document du synode. Bon. Alors, chez les protestants, il y a moins de problèmes, comme vous le savez. Les diaconesses existent depuis 1830. Peu à peu, les églises protestantes ont ouvert les ministères cultuels à des femmes. Actuellement, donc, à la tête de l'église protestante, il y a Emmanuel Tsebold, depuis 2017. Et les communautés juives non orthodoxes, parce que là aussi, ça crée opposition, à part des orthodoxes, c'est pas des ultra-orthodoxes, ça pas. Mais chez les libéraux, hein, il y a des rabbines, le mot existe, donc des femmes rabbins, dont l'une des plus célèbres, parce que c'est une égérie de la cause des femmes, et en même temps qui est extrêmement attaquée, c'est Delphine Horviller. En verrouillant la position de l'Église catholique, Jean-Paul II et son successeur, Benoît XVI, ont en fait fermé la porte aux théologiennes catholiques féministes et aux partisans également du processus œcuménique, parce que le rapprochement avec les protestants est bloqué, ce plan. Et c'est un point important, vous voyez. En faisant cela, l'Église catholique va ouvertement et impunément à l'encontre de l'égalité entre les sexes, qui est aujourd'hui un droit fondamental de la personne. Et, le dit... Donc, l'égalité, voilà, définition par déposé à la Direction générale des droits de l'homme du Conseil de l'Europe en 2004, on entend par égalité l'égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes à toutes les sphères de la vie publique et privée. C'est clair. Bon. Alors maintenant, pour terminer, si vous voulez, il y a deux questions qui se posent. Et c'est d'ailleurs le fond de cette intervention, de cette conférence, si vous voulez.
À la limite, j'aurais dû commencer par là. Il y a deux questions, comment les résoudre? Mais avant d'en parler, il fallait peut-être dire tout ce qu'il y avait avant. Donc petit à petit, le cœur de la conférence s'est retrouvé à la fin. Mais bon, ça suffit, maintenant vous en savez assez pour comprendre le reste. Deux questions donc, qui s'opposent. En droit, comment l'Église peut-elle contrevenir à la Constitution, puisque dans la Constitution est inscrite l'égalité des femmes et des hommes? Deuxième question, pourquoi l'Église catholique n'a-t-elle pas évolué comme les églises protestantes? Ce sont les deux questions, en fait, qui m'ont incité à travailler là-dessus, tout dans mon programme, si vous voulez, sur l'égalité femmes-hommes. Parce qu'il y a là plus qu'une anomalie, il y a là maintenant un scandale. S'il y avait, ça pouvait passer pour une anomalie, disons, il y a 20 ans, maintenant, ça devient très difficile à supporter comme anomalie. Hein. C'est donc un scandale. Alors, première question. La discrimination que l'Église fait subir aux femmes n'est pas proscrite en droit. Elle a parfaitement le droit de le faire. Parce que le principe de non-discrimination doit respecter les lois fondamentales des droits de l'homme, l'une d'elles étant la liberté de religion, qui est inscrite dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Liberté de conscience et de religion. La liberté de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction. C'est en s'appuyant sur cet article que l'Église peut maintenir l'inégalité femmes-hommes dans son sein. Vous voyez ? Alors, ça nous amène à un petit problème, mais qui connaissent bien les juristes. Il y a des valeurs, il y a des droits qui se télescopent et qui se contredisent, pas qui se contredisent, mais qui ont tendance à se contredire dans les droits de l'homme. Un exemple que cite d'ailleurs une rapporteuse dont je vais parler, un exemple, la liberté de la presse s'oppose, si vous voulez, ou donc interfère avec le droit à la vie privée. Il y a là une ligne de démarcation, vous savez, qui est difficile à trouver. Hein, il y a donc des conflits de valeurs entre le droit à l'information, en quelque sorte, et le droit à la vie privée. Alors, dans le cas présent, cette rapporteuse d'un rapport qui s'appelle « Femmes et religion en Europe hein, » explique donc, rapport de la Commission européenne sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, « La liberté de religion ne peut être acceptée comme un prétexte pour justifier les violations des droits des femmes. » Vous voyez, c'est un point de vue. L'Église en a un autre, qui est de s'appuyer sur les droits de l'homme quand ça l'enchante, quand ça lui sert, pour maintenir cette inégalité à l'intérieur de son sein. Deuxième question. Donc, première question, hein, je n'y reviens pas, mais... Voilà. Comment l'Église peut-elle contrevenir à la Constitution? Eh bien, précisément en s'appuyant sur l'article 9 de la Convention européenne qui décrète le droit, la liberté de religion. Alors, deuxième question maintenant, pourquoi n'a-t-elle pas évolué avec la société comme les Églises protestantes? Ce n'est pas très difficile à comprendre, ça. Enfin, c'est difficile à comprendre lorsque vous croisez un protestant. Forcément. Est-ce qu'ils sont différents de nous? Plus intelligents, plus hein, que les derniers? Non. Simplement, ils ont évolué différemment. Voilà. Alors, pourquoi? D'abord parce que les églises protestantes ont une certaine autonomie. Elles ne sont pas centralisées, hein, comme l'Église catholique. Elles n'obéissent pas à un dogme unique. Vous savez qu'elles ont toutes sortes de versions de leurs croyances. Et surtout, elles n'ont pas un chef unique. Bon, comme c'est le cas du pape. L'Église anglicane, pour prendre un exemple,
l'église anglicane, qui est une des principales, le vrai chef de l'église anglicane depuis Henri VIII, c'est la reine d'Angleterre, c'est Élisabeth II. Ah oui, pour beaucoup, c'est Élisabeth II, donc c'est une chef d'État. Si vous voulez. Bon, en réalité, dans les faits, Élisabeth II, c'est pas Élisabeth II, c'est l'archevêque de Canterbury qui est le vrai chef de l'église anglicane. Mais enfin, vous voyez, la notion de chef n'a pas le même poids que dans l'église catholique, où le chef est infaillible. Alors, les églises... Alors, autre raison pour laquelle les protestants n'ont pas suivi la même voie, c'est que depuis le XVIe siècle, depuis le schisme, etc., les protestants sont développés, ils se sont montrés beaucoup plus soucieux des relations, je mesure mes mots parce que c'était pas tout beau, hein, des relations entre les femmes et les hommes. Probablement, on peut le penser, parce que les pasteurs étaient mariés. Ça compte, ça joue hein, quand même dans la chose. Mais c'est surtout depuis 1960 qu'il y a eu une évolution décisive. Depuis 1960, c'est-à-dire depuis la modification qui a entraîné les mouvements féministes et puis toute la modernisation de la société, des sociétés en Europe, à partir de là, il y a vraiment eu la divergence avec les églises catholiques, très nettement sur ce point. Et pourquoi ? Tout simplement, je vais dire, parce que ces pays protestants ont des religions d'État, des religions qui ont un lien avec l'État très fort. Chez nous, ce lien a été brisé en 1905. Mais dans les pays scandinaves, dans le nord de l'Europe, dans les pays protestants, ce sont des églises d'État, c'est-à-dire subventionnées par l'État, contrôlées par l'État. Bref, vous voyez, il y a une symbiose qui s'est faite et qui a obligé les églises à aller dans le sens de la modernisation de la société sur tout un ensemble de points importants qui concernent aussi bien la contraception, l'avortement, le droit des homosexuels, etc., etc. Ces églises ont été un peu mises sous la pression de la société. Elles n'ont pas pu résister. Parce qu'en fait, il s'agit d'églises d'État. Alors, par parenthèse, parce que je ne voudrais pas non plus trop... Encore 5 minutes, je crois, 10 ans, 5 minutes. Alors, par parenthèse, on assiste aujourd'hui à une évolution inverse. C'est-à-dire que ce n'est plus supportable, les églises d'État. Dans les pays du nord de l'Europe, on trouve absolument anormal... depuis déjà une vingtaine d'années, depuis que la Suède, en 2000, donc a divorcé avec son Église, est suivie aujourd'hui par la Norvège, en 2017, la Norvège aussi a séparé l'Église-État, on ne trouve plus normal de financer une Église, alors que, manifestement, dans la société, il y a un pluralisme religieux. Et ça, en grande partie... c'est la pression de l'islam qui a fait ça. Vous voyez ? Le pluralisme religieux dans la population rend maintenant difficile des situations où une religion serait préservée, privilégiée par l'État. Donc depuis 2000, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, il y a maintenant divorce. Mais l'essentiel a été fait. C'est-à-dire que la modernisation de la société, les religions ont accompagné la modernisation de la société, les religions protestantes. Vous voyez ? Ce que n'a pas fait l'Église catholique, évidemment. En France, la loi de séparation de 1905 garantit la liberté des religions par rapport à l'État en tout ce qui concerne leur vie interne. Donc, elles peuvent maintenir une... Alors, je dis « elles » au pluriel, parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique, il y a les autres aussi. Hein. Elles peuvent donc maintenir une discrimination sexuelle dans leur fonction cultuelle et rester complètement sourdes aux évolutions sociales, notamment en ce qui concerne ce que j'ai cité tout à l'heure, la contraception, l'avortement, les droits des homosexuels, etc., etc. Conclusion. Je vois que tout le monde est rentré pour vous passer le micro, alors il faut quand même que je conclue. Hein. Bon.
Attention, la question de l'ordination des femmes ne concerne pas que l'Église et que les croyants. Elle nous concerne tous et toutes. Elle concerne la chose publique, la res publica. Pourquoi ? Parce que les discriminations qui atteignent quelques femmes atteignent toutes les femmes et toute la société, hommes compris. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça aussi que je fais une conférence là-dessus. C'est pour le dire, ceci. Ça ne, moi, longtemps, j'ai pensé aussi que ça ne concernait que l'Église. Après tout, les croyants, ils n'avaient qu'à sortir de l'Église. Mais ce n'est pas vrai. Ça nous concerne tous. En réalité, ça rejaillit sur tous. Ça rejaillit sur tous. Ça rejaillit sur toutes les femmes. Et il y a des souffrances qui en naissent, notamment chez les religieuses, mais non, des souffrances dans le rapport au pouvoir, dans la relation au sacré, dans l'image de soi, une image qui est dévalorisée, vous voyez, etc. Et ça, les religieuses sentent très bien. Je vais vous citer une religieuse qui a beaucoup travaillé dans les milieux pauvres d'Angleterre et qui, dans un colloque donc à Ottawa, disait ces phrases très fortes. Les femmes avec qui je travaille savent très bien le lien entre leur pauvreté, leur désespoir et l'exclusion des femmes de la prêtrise. Elles savent que si nous ne pouvons pas incarner l'image du Christ, nous pouvons être violés, nous pouvons être harcelés, nous pouvons être exploités, etc. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. Ce n'est pas simplement une affaire interne à l'Église. Ça concerne toutes les femmes, si vous voulez, et tous les hommes, par conséquent. Alors je voudrais terminer sur une note un peu plus optimiste. Je travaille actuellement sur comment on devient féministe, ou pas. Et je suis étonné par le nombre de témoignages de femmes qui disent « Mais toute petite, je me suis aperçu qu'il y avait des discriminations, toute petite, etc. » Et il y a un nombre de témoignages impressionnants. Alors, je voudrais vous montrer celui-ci, simplement, qui est tiré d'une thèse. Quand j'étais petite, je demandais pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres, pourquoi il n'y a pas de femmes cuisiniers, alors il y en a, hein. Pourquoi il n'y a pas de femmes pêcheurs, pourquoi il n'y a pas de femmes qui font de la Formule 1, vous voyez. Et c'est vrai que les discriminations, je suis étonné de voir à quel point elles sont sensibles dès le plus jeune âge. Les femmes s'aperçoivent de ces discriminations. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vais vous céder la parole pour le dernier quart d'heure. Oui, je vous écoute. Bonjour monsieur, moi je suis très heureuse de vous entendre parce que vous venez de parler des enfants. Moi j'étais dans une famille ultra-catholique. Mon frère était enfant de cœur. Il a commencé très tôt à apprendre à servir la messe. J'avais un an de moins que lui et je ne pensais qu'à une chose, c'est à devenir moi aussi enfant de cœur. Alors je vais raconter une histoire qui fait toujours marrer. Quand je dis moi, je n'avais pas le droit de toucher les burettes. Et j'ai été très contrainte justement par ça. Alors je voudrais poser une question. Comment l'Église peut expliquer que la Vierge Marie a eu un enfant ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a fait la PMA ? Je ne répondrai pas à cette question parce que vous avez bien compris que je ne suis pas un spécialiste du dogme, mais j'aimerais peut-être vous expliquer une chose puisque j'ai le temps. Jean-Paul II, lorsqu'il a verrouillé cette question-là dans les années donc 90, c'est pas loin, a été conscient de la difficulté, hein. D'un côté, on dit que les femmes et les hommes sont égaux. Enfin, il ne le dit jamais très bien. Égaux en dignité. Égaux en dignité. Et puis, de l'autre, on leur interdit l'ordination. Alors, on est 1990, hein, 94, c'est quand même pas, c'est pas le 16e siècle. Hein. Il faut quand même expliquer aux gens, y compris aux religieuses. Pourquoi ? Vous voyez ? À l'intérieur de l'Église. Alors là, j'ai décortiqué la chose. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est les théologiennes dont je me suis inspiré. Et c'est vraiment très malin. Il explique que les hommes et les femmes sont en dignité absolument égales. C'est-à-dire que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Pas de problème de ce point de vue. Mais voilà, Dieu a donné des fonctions différentes
des missions, pardon, missions différentes à la femme et à l'homme. La femme, c'est la maternité. L'homme a droit, elle, lui, à l'ordination. Alors, pour expliquer les divergences, il a dit, mais attends, ce n'est pas une inégalité entre les femmes et les hommes dont nous parlons. Parce que, voilà, nous sommes sur Terre. Et sur Terre, les premiers, ce sont les ministres, donc les hommes, les prêtres, etc. Mais dans le royaume des cieux, ce sont les saints qui sont les premiers, et pas les ministres. Vous me suivez ? Or, les femmes peuvent parfaitement, à leur place, dans leur mission, se sanctifier. Donc, dans le royaume des cieux, elles auront la première place. Ou du moins, elles peuvent accéder à la première place. C'est balèze comme raisonnement. Il faut y croire. Si vous y croyez, c'est bon. Mais ça, autrement dit, ça repose que sur la foi. Mais c'est tordu, mais c'est très bien expliqué. Il a verrouillé les choses, mais en même temps, il comprenait qu'il y avait un problème, mais il a expliqué. Il n'y a pas que le royaume sur Terre, il y a le royaume de Dieu aussi. Il faut penser au royaume de Dieu. Si on n'y pense pas, il n'y a pas l'équilibre. Et si on y pense, c'est l'équilibre. Autre question ? Oui. Merci, monsieur. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, bien sûr. Mais moi, je pense donc qu'il faut qu'on soit vraiment, qu'on ait chevillé au corps le principe de laïcité dans notre République, parce que c'est ça qui va nous sauver la mise. Parce qu'en fait, ces gens d'église, ils sont hors la loi, puisque d'après le droit, ils n'ont pas la permission de faire des contrastes aussi frappants entre les hommes et les femmes. Donc, pourquoi, peut-être que je vais un peu trop loin, mais pourquoi l'Église catholique n'est-elle pas au banc de la République française ? Comment voulez-vous que je réponde à une question pareille ? Je vais expliquer que les droits de l'homme, le droit de penser, pardon, la liberté de penser, la liberté de religion, sont garantis. Et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Parce que si vous... il y a une certaine logique. Mais je crois qu'il ne faut pas prendre les choses du point de vue du droit, parce que du point de vue du droit... C'est clair. C'est clair. Ils auront toujours raison. Alors, là, je vous parle d'égalité femmes-hommes. Mais il y a autre chose. Par exemple, l'Église a en interne des droits qui permettent de juger ou de ne pas juger certaines erreurs faites par les hommes, par les ministres. Et ça, indépendamment de la loi, qui est la loi pour tous. Autrement dit, il y a des... Ce conflit de valeurs dont je parlais tout à l'heure, il n'existe pas simplement pour les religieuses, si vous voulez, qui sont victimes. Mais il y a des hommes victimes dans l'Église aussi. Il y a des hommes victimes parce que l'Église a sa législation interne, elle y a droit, et elle a des pratiques qui vont contre, à notre avis, du moins, l'égalité. Mais beaucoup d'hommes ont démissionné à cause de ça aussi dans l'Église. Parce qu'ils étaient discriminés aussi. Mais enfin, les principales discriminées, c'est quand même les femmes, à mon avis. Bon, voilà. Mais pour revenir à votre question, l'Église ne peut pas être mise au banc. Il y a des arguments. Alors, autre chose à propos, d'ailleurs, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais les droits de l'homme, l'Église les utilise quand elle en a besoin, elle s'appuie dessus, puis pour d'autres, elle les bafoue. Et je voulais citer, je ne sais pas si je l'ai noté ici, mais non, je n'ai pas noté ici. Il y a une journaliste du Vatican, de l'Osservatore Romano. L'Osservatore Romano, c'est le journal officiel du Vatican, qui a démissionné il y a quelques mois, parce qu'elle trouvait que bon, l'Église n'en faisait pas assez dans le sens de l'égalité. Mais l'année dernière, elle a sorti un livre, sur l'Église et les femmes, etc., que j'ai lu, quand même, et qui s'en prend, évidemment, aux féministes, les vraies, je veux dire, celles qui sont à l'extérieur, et aux théologiennes féministes qui, à l'intérieur, luttent pour l'ordination des femmes. Et elle a une phrase, j'aurais aimé vous la citer, qui dit que, en gros, les droits de l'homme, ça commence à bien faire. Parce que
ils autorisent n'importe quelle idéologie. Et donc, il ne faut pas se... Vous voyez, les droits de l'homme, ça vient après les droits de Dieu. C'est clair ? Alors, depuis Vatican II, on a un peu modéré sur la question. Parce que jusqu'à Vatican II, il n'y a que Dieu qui avait les droits, l'homme n'en avait pas. Bon, depuis, l'Église a reconnu qu'il y avait des droits de l'homme et tout. Mais elle n'est pas... Elle place quand même les droits de Dieu avant les droits de l'homme. Donc, il y a vraiment une contradiction, là. Mais bon, on ne peut pas obliger non plus l'Église à faire le travail inverse. Ce qui peut l'obliger, c'est la modernisation des sociétés, la pluralisation des sociétés, hein, qui fait qu'on relativise certaines positions qui sont prises par l'Église catholique. De toute façon, vous savez bien qu'un grand nombre de croyants n'appliquent plus déjà les préceptes de l'Église catholique, mais ça, c'est une autre histoire. Autre question, monsieur ? Oui, simplement deux petits faits qui semblent vraiment très, très minimes, mais qui sont parlants au sujet des femmes. Dans le Var, où j'ai travaillé pendant pas mal d'années, deux choses. La première, une religieuse dominicaine, infirmière, assez âgée, m'avait dit que dans sa jeunesse, comme nonne, elle n'avait pas le droit de lire la Bible. Ah. Première chose, ça c'est étonnant, ouais. Mais elle me l'a dit. Ouais, voilà. Seconde chose, une église, il y a une église à Draguignan, qui était l'ancienne capitale du Var, si j'ose dire, l'ancienne préfecture. Dans cette église, j'étais très surpris en y entrant. Au-dessus du maître-autel, au lieu d'une croix, il y avait la Vierge Marie dans une mandorle. Ce qui est curieux parce que le nom catholique, le nom chrétien, entre là, il voit la déesse mère. C'est étonnant, effectivement. C'est étonnant, mais voilà. Ça, cette église, chacun peut la voir dans le Var à Draguignan. Très bien, merci. Quant à la lecture de la Bible, ça m'étonne à demi. Hein. Parce que moi aussi, j'ai des anecdotes un peu... j'ai vécu aux Antilles, et en Guadeloupe notamment, dans les années 70. Je vous jure que les prêtres qu'il y avait n'étaient pas des... très ouvert, hein, c'est traditionnaliste, c'est très fort. Et je me souviens que nous avons été parrains d'une petite Guadeloupéenne, parrain et marraine, petite Guadeloupéenne, et les parents voulaient l'appeler Natacha. Et elle n'avait jamais voulu. Natacha, ça sent le communisme, vous voyez. Quant à la lecture de la Bible, il est évident qu'à certains moments, lire la Bible, ça vous aurait coûté évidemment très cher. Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Et il ne faudrait pas qu'on trouve une Bible chez vous. Hein. Sinon, c'est les protestants qui lisaient la Bible. Voilà, la Bible, c'était... Ah, si on commence à parler des livres de la Bible, on s'en sortira pas. La Bible est quand même une compilation, hein, qui est fabriquée par l'histoire, donc par des hommes, si vous voulez, et qui a écarté certains textes, qui en a conservé d'autres. Mais aujourd'hui, qui est verrouillé, là aussi, c'est la révélation. Et puis, ce qui est à côté, ce n'est pas la révélation. Et si vous mettez l'âne et le bœuf dans la crèche, je suis désolé, ils ne sont pas dans les évangiles, mais dans les évangiles apocryphes. Enfin, là, il y a un mélange. Bon, ça, bon. Autre question ? Oui, ici, là. Non ? Coucou. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Non, allez, simplement, je pense que l'Église actuellement est très, très préoccupée par ces problèmes de reconnaissance sexuelle et de traitement de tout ce qu'il peut y avoir sur ce sujet-là par rapport aux prêtres qui vont même jusqu'à quelquefois harceler des religieuses. Mais je me dis maintenant, quelle est la méthode pour effectivement faire bouger le pouvoir qui est au Saint-Siège? Alors, est-ce qu'il faut faire le siège du Saint-Siège et demander aux religieuses de revêtir une soutane pour manifester, puisqu'on a l'expérience des gilets jaunes qui bougent, qui font faire un débat public? Et je me demande comment vous voyez la chose. Je suis surpris que peut-être dans cette conférence d'aujourd'hui, on n'est pas ici sur un siège, un représentant de l'Église. Alors, je ne vais pas penser à notre évêque Haillé, mais parce que ça, vous auriez eu du pain sur la planche et ce serait le pain Haillé. Voilà. Donc, j'arrête là, si vous voulez, parce qu'il veut me sourire, mais je crois quand même que profondément, on n'a pas la méthode pour secouer le cocotier, si je peux me permettre comme ça, de notre Église. Ouais. Voilà.
il y a quelques années, je travaillais là-dessus déjà, et j'ai rencontré un colloque à Rochefort, un théologien non-croyant. Un théologien catholique, donc, québécois. Et il m'a dit, les gens, ils ne cessent de fuir. Il dit, tous ceux qui, dans les années 80, 90, toutes celles et ceux, au Québec, mais en Amérique du Nord aussi, ont essayé de lutter, etc., ils ont jeté l'éponge. La plupart sont partis. Il dit, moi-même, je ne suis pas croyant, mais j'ai laissé tomber. Il n'y a rien à faire. Alors moi, je suis moins pessimiste que lui, parce que je regarde maintenant, parce qu'avant, ça ne m'intéressait pas vraiment, mais l'évolution, hein, et ça m'a l'air d'aller dans le bon sens. Je veux dire, le synode, quand même, sur l'Amazonie, il a secoué le cocotier, comme vous dites, parce qu'il a fait du bruit. Et vous savez que l'Église est très divisée et que, quand même, on ne peut pas tout verrouiller quoi, à la fin. Il y a quand même des influences extérieures qui se manifestent, petit à petit. Je pense que l'évolution ira dans le bon sens, mais je suis moins pessimiste que ce théologien. C'est d'ailleurs très intéressant, qui a écrit un livre sur lequel je me suis appuyé aussi, qui a décortiqué la théologie de la femme, la fameuse théologie de la femme de Jean-Paul II. Quand on la regarde de près, ce nouveau féminisme, c'est d'abord un anti-féminisme. C'est d'abord ça. Mais enfin, bon. Vous... Voilà, excusez-moi, j'avais vu quelqu'un. Oui, alors, moi, il me semble que l'Esprit Saint est féminin parce que c'est l'intuition. L'intuition, au moins, ça, c'est reconnu comme étant féminin. Là. L'intuition, pour moi, l'Esprit Saint, c'est l'intuition. Et l'intuition est féminine. Donc, l'intuition. L'intuition. Désolé, être intuitif. Bon. C'est féminin. Oui. On dit l'intuition féminine. Voilà. Alors, pour répondre à la question de la dame tout à l'heure, l'Esprit Saint a engendré Jésus avec Marie, ça veut dire que Jésus, il a deux mamans. Hein, puisque voilà. Si vous voulez, oui. Et par ailleurs. C'est vrai, on peut plaisanter sur le dogme longtemps parce que. Ben oui, mais. Moi, je suis professeur d'histoire moderne, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e. Donc j'ai eu très souvent l'occasion de parler des protestants, des catholiques, de leurs dogmes, de leurs deux. Hein. Et j'ai eu aussi beaucoup l'occasion de lire ce que les protestants écrivaient sur les catholiques à l'époque. Donc toutes ces histoires de dogmes, on peut plaisanter à mort. Je ne vais jamais vous plaisanter autant que ce qu'ont fait les adeptes de Luther et de Calvin sur la religion catholique. Ils ont pris tous ces arguments et les ont... C'était assez marrant. Voilà. Pardon, alors. Oui. Ceci étant dit, il est écrit quelque part que oui. Dieu nous a créés à son image. Et actuellement... Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Oui, oui. Alors que dans le dernier livre que j'ai écrit, je l'ai utilisé, ça. Parce que l'un des problèmes... c'est qu'on a pris dans la Bible, mais c'est un problème qui ne nous regarde plus, mais enfin, c'est l'Église, d'ailleurs. Il y a deux traditions de la création dans l'Église. La tradition qu'on a choisie, c'est celle, Dieu créa l'homme, puis ensuite, d'une côte, il tira la femme. D'accord ? Et du coup, la femme est arrivée en second, donc elle est en dessous. Et l'apôtre Paul peut dire que l'homme est la gloire de Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se couvrir la tête, mais que la femme est la gloire de l'homme, donc il faut qu'elle se couvre la tête. Alors on a choisi cette tradition-là, ce texte-là, parce que les deux sont dans la Genèse, alors que l'autre texte dit « Dieu créa l'homme et la femme, il créa la femme et l'homme ». Enfin, c'est une proposition, disons, égalitaire. Et on a choisi, mais c'est normal qu'on ait choisi la plus inégalitaire, parce qu'elle correspondait à la société. Vous comprenez, de l'époque où la femme était subordonnée. Bon, c'est normal qu'on ait choisi l'autre. Mais quand même, il y a deux versions. On aurait pu... Qu'est-ce qu'il y a levé le doigt ? Ah, c'est madame. Voilà. Je répondrai deux choses. Oui. Tout d'abord, on a choisi ce premier texte-là, effectivement. Oui. Mais il me semble sur une traduction presque erronée du texte hébreu qui ne parle pas de la côte de l'os, mais de « au côté de ». Oui, et oui, le oui, côté, ce n'est pas la côte. Bien sûr. Tout. Oui, oui. Vous avez raison. Donc ça, c'est une vous première. Vous avez raison. Ça, c'est une première chose. Et une autre chose, tous les ans, le 1er mai, je ne fais pas de publicité. Oui. Mais le 1er mai, l'abbaye de Belloc accueille des personnes responsables de l'œcuménisme. Oui. Et cette année-ci, c'était la première année où je m'y trouvais, et nous avons eu le bonheur d'entendre
Lucetta Scarafia, et c'est celle dont vous parliez, et qui a démissionné de l'Observatore Romano, oui. Et elle a écrit un ouvrage. En fait, alors cet ouvrage, c'est « Ils sont au pouvoir, elles sont au service » ou quelque chose comme ça. Et en fait, donc, elle dénonce un peu tout ce qui se passe au Vatican, avec des religieuses en particulier qui sont tellement au service qu'en fait, elles vivent un vrai esclavage. Et donc, nous avons reçu ces deux personnes-là, donc cette personne-là, et l'autre, c'était la dame protestante que vous avez montrée. Oui. Voilà. Et elles nous ont parlé effectivement de la place de la femme dans l'Église. On se dit, mais on a tout à faire, hein, vraiment. Très bien. À la, voilà. Donc je voulais dire qu'effectivement, c'est des personnes qui sont battantes. Et je pense que cette journée à Belloc, là, c'était sur le thème de la femme dans l'Église. Et je crois que c'était que la première journée, parce qu'on est parti avec l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même beaucoup de journées pour que ça bouge quelque part. Je suis content de savoir que la journaliste de l'Observatore Romano, qui est une apparatchik de premier ordre, peut évoluer. Ça me fait plaisir. Mais moi, j'ai lu son livre. Elle a dû démissionner pour évoluer. Oui, oui, elle a démissionné récemment. Mais enfin, moi, j'ai lu son précédent ouvrage. Il n'est pas féministe. Hein. Enfin, bon, c'est le féministe. On peut discuter de ça longtemps. Est-ce qu'il y a un féminisme catholique ? Il y a un féminisme musulman ? Mais est-ce qu'il y a un féminisme catholique ? Je crois que nous allons être obligés d'arrêter. Parce que, excusez-moi, on nous a dit expressément qu'il ne fallait pas dépasser l'horaire et que si vous voulez continuer la conversation, il fallait la continuer dans les couloirs. D'accord ? Alors, je vous remercie.